ne peut souhaiter que le plus grand bonheur à l'organisateur. Tout est en place, juste on finit, on attend la structure pour poser la cage du DJ. Ça va, tout va bien. Nous, on espère avoir une très belle soirée ce soir au Mercato du Mix. Donc voilà. Il n'y a pas eu de difficultés en tant que tel parce que, bon, on s'est pris tôt. C'est un succès phénoménal. Parce que ce soir, avec le plus grand DJ de Paris, le meilleur de la capitale, regarde tout cet enthousiasme. Regardez comment les gens se défoulent. Parce que DJ Killer, c'est un grand. Mais il n'est pas seul. N'oublions pas qu'il est avec le président des DJ, le number one, DJ Sam. En collaboration avec DJ Tarzan, un cercle de DJ. Et c'est le meilleur. C'est pourquoi la salle est si pleine. Pour une édition comme celle-ci, elle est très bien. Et prometteuse pour la jeunesse camerounaise et africaine. On entend parler des DJ, de tous ceux qui font la bonne musique. Et ça permet à cette jeune génération de DJ de pouvoir se faire connaître sur le plan international. Parce qu'il faut valoriser aussi les DJ africains. Moi, je trouve que l'initiation est très bonne. Oh, c'est un grand DJ. Vraiment, je te dis, c'est un grand DJ. Ça, c'est du jamais vu. Moi, ici, je suis le pote de DJ Sam. Mais lui, c'est un DJ que vraiment, c'est incroyable. Ouais, je l'apprécie trop. S'il peut venir ici tout le temps, nous mettre la musique, ça va être très bien. Ouais. Je le félicite. Très belle soirée quoi. La soirée était très belle, vraiment j'ai adoré. Et l'organisation, je vois que les gens sont très contents et tout quoi. Et moi-même je suis vraiment à l'aise parce que je suis accompagné quand même de beaucoup d'artistes. Junior Senga, plein d'amis, mon ami Dola et tout. Donc nous sommes très contents. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire pour soutenir la culture camerounaise et surtout les DJ qui étaient présents, DJ Ramon, DJ Sam. Avec Manny Killer qui est venu depuis la Belgique pour soutenir la culture camerounaise. Donc là, je suis très content et je dirais à tous les Camerounais de continuer toujours à supporter notre culture, car c'est ça qui fera le Cameroun de demain. Merci. C'est pas mal. Les encouragements aux organisateurs, DJ Sam, DJ Tarzan et tout le reste. C'était une soirée exceptionnelle. Et je suis satisfait parce que il y a plus de 3000 personnes devant moi. Je suis content. Je savoure l'événement en ta compagnie. Et aussi parce que je suis très content de ton œuvre. Parce que je t'ai dit auparavant, tu es l'une des personnes, s'il faut dire, un membre de la diaspora qui valorise encore aujourd'hui l'éthique du Cameroun. Je suis vraiment très flatté et merci pour me donner l'occasion de te faire un remerciement officiel et public. Je suis content de l'organisation, de la soirée et les DJ devaient beaucoup accentuer
sur notre musique. C'est tout ce que je peux apporter. Merci. Mais le Mercato de Mix, c'est un nouveau concept. Comment toi, tu l'as vécu? Franchement, je trouve que ça a été une soirée très, très réussite. Une soirée très, très élégante. Et franchement, je suis très, très ému. Parce qu'à Paris, on ne fait pas partie des soirées comme ça tous les jours. Ils ont réussi vraiment cette soirée. Je leur tire vraiment un coup de chapeau. Je vois comment toute la diaspora est là. Elle s'amuse. Et puis, c'est ça la vie. Il faut s'amuser comme ça de temps en temps. Et ça fait quoi? Elle se passe très bien, j'ai adoré. Très belle soirée, belle organisation et il y a du bon monde. Et il y a du champagne qui coule à flot. Didier Sam nous a promis, Didier Tarzan nous a promis qu'on va voir l'apothéose. Tout ce que je peux dire, c'est que la soirée est belle. Tous les DJ sont parfaits. La soirée est très belle, les gens ont aimé. Les gens dansent, il est déjà 6h du matin et la piste est toujours pleine. Bravo au Mercato du Mix et on pense à une prochaine édition. Avec le DJ Manu Killer, DJ Tarzan, DJ Rameau, DJ Sil, bref, la DJ, le staff parisien est là. Merci encore et merci à Sopi Prod. Parce que nous sommes un monsieur fort et c'est un monsieur gentil. On est venu aujourd'hui pour l'encourager. C'est moi la fille à la peau de lune qui le parle aujourd'hui. J'ai fait appel à Manu Killer qui est là, qui nous prouve de quoi il est capable. Les confrères sont là, Didier Rameau, sans oublier mes petits, Didier Bébé, le dictateur, Hervé Didier, et les Didier qui sont venus nous soutenir, donc Smokey et Smokey P. Ah, 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 ah.